Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DailyFX.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi à quelques minutes, enfin une demi-heure environ, de l'indice PMI des États-Unis dans l'activité manufacturière selon Markit. Et puis à 16h, le même indicateur, plus suivi d'ailleurs aux États-Unis, selon l'ISM. Alors, on me confirme que le son, l'image fonctionne normalement, merci beaucoup, c'est parfait. Donc je vais revenir un peu sur les derniers éléments fondamentaux depuis la nuit dernière, puisque le marché d'échange a ouvert la nuit dernière, vous le savez, et que la session asiatique s'est déroulée. Mettre en perspective les deux chiffres qui nous attendent, là, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis envisager la suite de la semaine, et notamment donc ce soir, une décision de politique monétaire attendue de la Banque Centrale d'Australie. Alors tout d'abord, on est toujours en plein cœur de la saison des publications des résultats trimestriels des entreprises US. Globalement, elles battent le consensus, à peu près 70% d'entre elles sur les 227 qui ont publié leurs résultats. La nuit dernière, les indices PMI ont donc commencé. Alors, il y a eu beaucoup d'indices PMI hein, de tout un tas de pays. D'ailleurs, je vais vous montrer ici le site de Markit Economics qui vous propose justement d'accéder en temps réel à des rapports détaillés justement dès lors que le PMI est publié. Donc vous constatez que depuis le 2 février, depuis la nuit dernière, on a commencé avec celui de la Corée. C'était la nuit dernière et puis depuis on en a eu un certain nombre. Le prochain c'est celui des États-Unis à 15h45. Donc d'ailleurs si cette page vous intéresse, je vous invite à les mettre à mettre cette page dans vos favoris puisque ça apporte un certain nombre d'informations justement sur ces indices PMI de Markit. Alors où en étais-je ? Donc, l'indice PMI de l'activité manufacturière en Chine est passé sous le seuil des 50, mais bon, ça arrive, c'est déjà arrivé en fait par le passé. Concrètement, ça entretient la dynamique baissière de la monnaie chinoise face au dollar américain, donc c'est pourquoi vous avez sur notre site à nouveau un article qui revient sur le fait que la paire de devises USD-CNH, et j'évacue tout de suite ces paires de devises un peu secondaires avant de me concentrer sur les paires majeures, au moment où les chiffres vont tomber tout à l'heure. Donc l'USDCNH, rapidement, parce que les fondamentaux la concernent aujourd'hui, on a fait une cassure haussière des 6,2670, c'était le plus haut du printemps 2014, ça va un peu dans le sens de la dynamique. Alors sur les graphiques intraday, on peut avoir le sentiment déjà que les 6,2650 sont un point d'entrée, éventuellement 6,2650 pour ceux qui souhaitent prendre le train en marche. Après, sur des graphiques d'un peu plus long terme, on peut avoir la place pour une phase de transition latérale. La dernière avait pris pas mal de temps, c'était celle-ci. Elle avait duré du 18 décembre au 14 janvier avant de repartir. Mais bon, là je pense qu'on est dans une belle phase de hausse. Et donc je surveille ce support à 6,2750. Et puis donc cette ligne de tendance haussière en données 4 heures pour une éventuelle stratégie. En tout cas, cet indicateur avancé qui concerne l'économie chinoise, alimente les spéculations de nouvelles mesures de relance de la part des autorités en Chine, alors à la fois le gouvernement et la Banque Populaire de Chine. Alors ensuite, concernant l'actualité fondamentale, nous avons tout à l'heure à 15h45 et à 16h ces mêmes indices PMI de l'activité manufacturière aux États-Unis avec un impact attendu sur le dollar américain et donc les paires en dollars majeurs. Je vais donc revenir dessus. Et enfin, la nuit prochaine, décision de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie, donc la Banque centrale si vous voulez, alors le consensus n'attend pas une baisse des taux, mais étant donné que l'année 2015 est ouverte sous le thème des décisions surprises, on peut en citer plusieurs, des décisions surprises de baisse de taux d'intérêt, la Banque centrale du Canada, la Banque centrale de Russie, c'était vendredi dernier, il y avait aussi la Banque centrale du Danemark, bref. Étant donné que c'est la mode en ce moment d'annoncer des baisses surprises de taux d'intérêt, et bien pourquoi pas ce soir la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande. En tout cas, c'est ce que le marché semble déjà pricer depuis quelques séances, puisque le dollar australien a globalement reculé sur le marché d'échange, avec par exemple la baisse de l'AUD-USD ou encore des belles jambes de hausse sur GBP-AUD et Euro-AUD. Que peut-on en penser selon l'analyse technique? Et bien c'est ce que je vais tenter de vous apporter comme réponse dans ce point de marché. Alors, le calendrier économique pour voir exactement ce que nous attendons, sachant que je vous invite à vous rendre sur le site de Markit Economics pour accéder en temps réel à ces chiffres lorsqu'ils vont tomber, sachant que concrètement, pour les États-Unis, le chiffre de Markit, on s'en soucie peu. C'est essentiellement l'ISM qui compte. Alors, je vais commencer par ce qui bouge et ce qui est passé, je pense, trop inaperçu.
Je vais revenir ici sur les cours du pétrole. Alors, Nicolas Chéron vous avertissait la semaine dernière du rôle de la moyenne mobile à 20 jours. Le mois de janvier, il s'est terminé. Donc concrètement, lorsqu'un mois se termine, on regarde ce qui s'est passé. Et lorsqu'on regarde le mois de janvier de manière brute, le pétrole perd, selon le contrat, entre 8 et 10%. Alors vous allez me dire, le pétrole perd encore 10% en janvier. Donc au final, c'est plutôt un mois baissier. Mais lorsque l'on décompose le mois de janvier en 4 semaines, on réalise que la dernière semaine a vu le pétrole gagner 10%. Donc au final, se concentrer sur la performance mensuelle du pétrole en janvier est trompeur, je pense. Et d'autre part, lorsque vous regardez le marché actions, le secteur pétrole et gaz est le secteur qui arrive au second rang en termes de performance, derrière tout ce qui est lié à la consommation courante. Donc le marché, je pense, commence à anticiper du point de vue des fondamentaux, en tout cas là, une stabilisation des prix du pétrole. Que nous dit l'analyse technique, cette fameuse moyenne mobile à 20 jours? Vous avez sous les yeux une capture d'écran que j'ai proposée ce matin sur notre site. L'indice de disparité relative à la moyenne mobile à 20 jours, donc en clair, c'est la représentation graphique glissante de l'écart en pourcentage entre les cours et la moyenne mobile à 20 jours. Et vous pouvez constater que dès la semaine dernière, il y a eu une cassure haussière sur le disparity index à la moyenne mobile à 20 jours. Ce qui signifie quoi en fait? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cours, qui sont représentés ici par les bougies japonaises, eux aussi vont casser à la hausse la MM 20 jours. Et je pense que nous pouvons viser, et finalement une grosse partie du chemin a été fait, je vous l'accorde. Nous sommes déjà à 50, on était ce matin à 47 lors de cette capture d'écran. Je pense que nous pouvons viser, à peu de choses près, 4% au-dessus de la MM 20 jours. Alors justement, où cela se situe, sachant qu'une bonne partie du mouvement a probablement été fait, mais... Bon, je rappelle que les 44$ sont quand même le point bas en cours de clôture mensuelle de l'année 2009. Donc, voilà, on commence un rebond technique. Disons, on n'est pas au milieu de nulle part, quoi. Alors justement, je vais commencer donc par ces contrats pétroliers. Pourquoi? Parce que si vous prenez aujourd'hui la hiérarchie action du CAC 40, Total est la plus forte hausse et Technip est la seconde plus forte hausse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le marché action, sachez que Total et Technip sont les deux représentantes françaises du CAC 40 au sein du secteur pétrole et gaz. Alors, justement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, cette divergence entre le prix des actions du secteur pétrole et gaz et le prix du pétrole en janvier montre que, et le marché action, on sait que c'est un marché qui anticipe, le marché action, c'est clairement le marché qu'anticipe. Bon, et bien là, on imagine bien que les intervenants se projettent sur le fait que le pétrole puisse se stabiliser. Donc, quel était le discours d'analyse technique la semaine dernière que nous vous avons proposé? Un range entre 44$, le plus bas en cours de clôture mensuelle du premier trimestre 2009, et la moyenne mobile à 20 jours. Et je viens donc de vous montrer que l'indicateur de disparité relative à la moyenne mobile à 20 jours, lui, il a fait une cassure haussière dès la séance de jeudi dernier. Ce qui permettait dès jeudi dernier d'anticiper la cassure haussière de la MM 20 jours. Cette MM 20 jours est aujourd'hui brisée à la hausse, donc l'indicateur de disparité, d'une part, aujourd'hui confirme son rôle précurseur. Maintenant, quelle est la suite des événements? À peu de choses près, je pense que nous pouvons viser, et on va voir ce qu'on dit l'analyse technique, disons 4% au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Alors là, vous êtes sur un graphique en données journalières, mais j'ai ici fait apparaître la moyenne mobile à 20 jours. Comment je fais? Je sélectionne l'indicateur de tendance, je vais dans l'onglet source des données, et je sélectionne la périodicité D1, D1 comme daily, journalier. Vous comprenez bien donc que nous ne sommes plus sur l'horizon de temps 4 heures, mais uniquement ce qui concerne l'indicateur. D'accord? Alors la MM20, elle passe actuellement à 47$. D'accord? Donc je vais simplement appliquer à ces 47$ un coefficient multiplicateur de 4%, et ce qui me donne d'ores et déjà un objectif atteint. En fait, ça donne 50$, ça donne 49,50. Ok. Donc maintenant, clairement, si vous vous êtes positionné sur ce support mensuel des 44$, nous avons atteint ici un objectif de cours qui invite à prendre des bénéfices. Mais peut-on finalement être un peu plus optimiste? Pour le moment, nous sommes clairement donc dans un range entre 44 et, je dirais, ce niveau des 49 et des 50$. Mais lorsqu'on prend du recul, on doit quand même réaliser qu'une cassure de la MM 20 jours, ça n'a pas eu lieu depuis le mois de septembre dernier. Et d'autre part, la dernière fois qu'on avait eu ce type de cassure, on était resté quoi? On était resté à peine quelques heures au-dessus pour violemment la réintégrer.
Là, j'ai quand même le sentiment que ça tient mieux. Alors, bon, on verra bien, hein, ça tiendra peut-être pas, mais mon opinion maintenant est que tant que ce marché se maintient au-dessus de la MM20, nous pouvons envisager une cible autour des 53$. Alors, faut pas s'emballer, mais voilà, en tout cas, ça commence à sentir meilleur sur le court terme. Et le fait que le marché se positionne notamment sur un titre comme Technip au mois de janvier montre que finalement on a peut-être ces anticipations de stabilisation des prix. Alors maintenant le Brent, je le suis un peu moins, mais lui aussi il est sorti par le haut d'une phase de range. D'une certaine façon, j'ai presque envie de dire que le Brent aurait déjà franchi l'équivalent des 50$ du WTI. Alors je vais ajouter sur le Brent la moyenne mobile à 20 jours. Ensuite, vous inquiétez pas, on regardera les indices boursiers, les paires en dollars majeurs, les paires en AUD. Hein. Donc un peu de patience, ça va venir. Donc j'ajoute ici la MM. Donc vous voyez, vous pouvez faire comme moi, la moyenne mobile à 20 jours sur l'horizon de temps H4. Pas à 2 jours, mais à 20 jours. Et donc, elle aussi, elle est franchie. Et sur le Brent, c'est quand même nettement plus intéressant. Regardez bien le Brent. Le Brent n'a pas franchi la moyenne mobile à 20 jours depuis le 1er juillet 2014. Le 1er juillet 2014, qu'est-ce que c'est? C'est le point bas du dollar américain. Donc, encore plus que sur le WTI, la MM20 a sur le Brent un rôle vraiment attractif. Regardez, elle colle au plus près des cours. Elle a été franchie. C'est pourquoi j'ai ce sentiment que nous pouvons attendre mieux des contrats de pétrole lors des prochaines séances. Donc voilà en tout cas ce que je pense, et tant qu'on maintient maintenant ces MM20, eh bien un 53$ sur le Brut US ou un 58 sur le Brent me semble tout à fait être dans l'ordre du possible. Alors maintenant justement, je vais revenir ici sur ce graphique que je vous avais proposé au mois de décembre, qui est le graphique non pas en temps réel, mais depuis la plateforme MarketScope de l'Action Totale. Alors l'Action Totale reste la première capitalisation boursière de la Bourse de Paris. Elle a vu son titre attaqué par Sanofi et L'Oréal, mais surtout Sanofi. Total récupère son rôle. Je vous en avais parlé la dernière fois lorsque ce marché avait testé ici en décembre un support important aux alentours des 39€. Le titre a rebondi. Et là aussi, ça m'intéresse parce que au mois de janvier, alors que le baril perd dans l'absolu 8%, Total en gagnait 8%. Il y avait donc déjà ici une divergence en l'état qui montrait que le marché commençait à anticiper une période de stabilisation des prix du brut. S'intéresser au titre Total, c'est pas uniquement s'intéresser au pétrole, c'est aussi s'intéresser aux perspectives de l'indice CAC 40, puisque cette action, à elle seule, pèse 10% de l'indice parisien. Premier support, 43,75, rejoindre 48€ me semble tout à fait envisageable sur ce titre, et ce, tant que ce support des 43,75 sera préservé. Alors l'indice CAC 40, j'ai l'impression depuis une semaine chaque matin d'écrire le même type d'article et pourtant j'arrive à le renouveler. Vous avez sur notre site des graphiques en données journalières avec, en ce qui me concerne, un intérêt marqué pour la configuration technique du DAX. Je préfère le DAX au CAC 40, pour moi c'est sans appel. Je vous montre ici donc cet article que je vous ai proposé ce matin. Voici la capture d'écran du DAX. Alors attendez, on va faire plus simple que ça. On va aller directement sur mon graphique en données journalières. Comme ça, ce sera du temps réel. Donc c'est le seul graphique en données journalières que je vais vous montrer. Ensuite, on va faire que de l'intraday. Et c'est parti. Alors un instant, ça charge. Alors attendez, hop. Alors un instant, ça charge. Hein. Alors Martine, je vois votre commentaire en ce qui concerne le son. Au-delà du son de votre ordinateur, vous avez aussi le son sur la salle de trading. Vous avez une petite molette de son juste en dessous de l'écran, là où vous visualisez mon écran. Donc ça, faut pas hésiter à l'ajuster. Donc le DAX et l'Eurostock 50 sont juste parfaits. On a parlé d'un arbitrage en faveur des actions européennes. Autant vous dire qu'au sein des actions européennes, l'arbitrage est en faveur des actions allemandes, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière au sein d'un article. L'année dernière, le DAX avait été un peu en retrait, c'était le BEL qui était meilleur, le SMI, bon bah le SMI c'est derrière nous, hein. Quoique pourtant il a quand même rebondi. Le DAX c'est juste parfait, quoi. C'est, y a rien à dire. Cassure haussière ici du 16 janvier, des 10.094, on fait un range. Ici vous avez des extensions de FIBO, ça marche bien, cette jambe de hausse au point bas de la conso. Lorsqu'on calcule au début une extension de Fibonacci, c'est forcément
dans le sens de la tendance haussière, une résistance. Pourquoi? Parce que c'est un niveau de prix théorique. Ça correspond juste à... On applique un coefficient multiplicateur à un mouvement passé. Voilà, donc ça n'a pas de réalité chartiste. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'on les a franchis, ces niveaux sont devenus des niveaux de support. Donc ça, ça me plaît. Et notamment le DAX qui fait un range au-dessus des 10 548 points. Je n'invente pas le niveau, je l'avais déterminé dès le 15 janvier et on est pile poil dessus, quoi. Donc le DAX, il me plaît. Je pense que les indices européens sont dans des phases de consolidation et comme la semaine dernière, je n'en connais pas la durée. Par contre, j'ai peut-être cette fois-ci davantage une opinion sur son amplitude, c'est-à-dire qu'au fond, je pense que le support à 10 548 peut tenir sur le DAX, dans l'attente ici de cette MM 20 jours avant relance. Et ce qui me plaît au fond, c'est que les marchés actions européens qui ont largement surperformé en janvier, hein, plus 8 le DAX, moins 4 le Dow, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, je me dis au fond que les marchés actions US, eux, ils ont fait quelques séances consécutives de baisse, ils peuvent revenir sur des niveaux de support. Je vois le DAX qui tient. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un arbitrage. Les liquidités, elles quittent les actions US en partie, elles viennent sur les actions européennes. Pourquoi? Parce qu'on anticipe que toutes ces actions peuvent rattraper leur retard sur les valeurs US. D'autre part, il y a aussi l'effet change, puisque dans les meilleurs performeurs du CAC en janvier, il y a beaucoup de valeurs dollars. L'Oréal, Pernod Ricard, Valeo, elles prennent toutes entre 15 et 20%. Et c'est le contraire pour les actions US. Hein. L'effet change, il pénalise certains grands exportateurs, mais qui produisent aux US. Et donc, voilà, c'est ce qui a un peu gêné les indices US. Et c'est un des éléments qui explique, avec le quantitative easing et tout un tas d'autres choses, que les actions européennes performent mieux. Donc voilà pour les graphiques en données journalières, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vais revenir sur les graphiques H4 pour faire le tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Alors maintenant, je vais être rapide, je les prends dans l'ordre. Je donne pas de conseils d'investissement. Vous avez pu lire tout à l'heure l'avertissement légal. Je ne fais pas ça, je n'en ai pas le droit de toute façon. Par contre, je vais donner des niveaux rapides susceptibles de vous intéresser ou pas. Donc c'est parti. On commence par les paires majeures. J'évacue le sujet de l'euro-dollar. Il n'y a rien à dire, rien à faire. C'est neutre, un range entre 1,1260 et 1,1375. Cependant, à force qu'on dérive à plat, on a cette ligne de tendance baissière qui va bientôt arriver au contact des cours. Peut-être que lorsqu'elle sera testée la première fois, elle créera à nouveau un rejet baissier. Mais pour le moment, c'est un range, il n'y a rien à dire. On peut très bien forcer 1,1375 aussi à la hausse. C'est un range et les ranges ne sont pas intéressants. En tout cas, pas dans ma conception des marchés. AUD CAD, rien à dire, c'est un range. AUD CHF, rien à dire. AUD YEN, quelque chose à dire. Alors AUD YEN, pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi? Parce que c'est une paire en dollars australiens qui suit une forte tendance baissière depuis la fin du mois de novembre. Alors, l'AUD yen, j'ai vraiment une anticipation baissière lorsqu'on avait cassé le niveau des 95,50 pour viser 92,15. On a cassé 92,15 et je suis maintenant en train d'envisager une baisse en direction des 88,50. Essentiellement, une baisse du côté de l'AUD. Et donc, sur l'AUD yen, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez une première résistance à 92,15. Première résistance, 92,15, dans le sens de la tendance que je constate maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sous une résistance dans le sens de la tendance baissière? Là, vous avez la réponse. AUD NZD, on en a énormément parlé, et j'en parle parce que c'est de l'AUD, lorsque le 9 janvier, les cours ont réintégré les 1,0428, niveau mensuel, support extrême de la tendance. La target était 1,0756, la target a été atteinte. L'AUD et le NZD ont vu leur situation complètement se neutraliser depuis le 22 janvier. Pourquoi? Parce que la banque centrale de Nouvelle-Zélande a clairement insisté sur le fait que le taux de change du dollar néo-zélandais sur le FX était trop élevé, ce que la RBA a tout le temps fait. Bref, je pense qu'on a une espèce de guerre d'échange entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est normal, ce sont deux importants partenaires commerciaux. Jusqu'à présent, c'est plutôt la Banque centrale de Nouvelle-Zélande qui l'emporte depuis le début du mois, puisque l'AUD s'est renforcée face au NZD. Mais ce soir, à 4h30, pendant la nuit, peut-être que certains seront levés, notamment si vous avez des positions trading sur l'AUD, qui convient sérieusement de sécuriser avant la décision.
eh bien, il peut s'en passer des choses. Donc, l'AUD et le NZD, l'AUD NZD, c'est devenu un range. Entre une ligne de tendance haussière en place depuis le 7 janvier et les 1,0756, elle m'intéressera à nouveau en cas de cassure haussière des 1,0756. Toujours dans l'ordre, le 4 CHF ne m'intéresse pas et pour le moment je ne reprends pas le suivi des paires en CHF. Je pense qu'il faut que la vol se dégonfle un peu, qu'on y voit un peu plus clair. Regardez, on a encore, selon le journal Schweiz am Sonntag, je ne parle pas allemand, autant pour moi, un journal suisse qui évoque le fait que, officieusement, la Banque Nationale Suisse cherche à avoir un taux de change autour des 1,10. Bon, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que souhaite la Banque Nationale Suisse? Elle a un PEG, elle en a pu. Maintenant, elle redéfend une dépréciation du franc. C'est pas clair. Politiquement, c'est pas clair. Et lorsque politiquement, c'est pas clair, il y a de la vol sur le FX. Et quand il y a de la vol sur le FX, ça peut faire mal aux positions de trading. Donc, je ne reprends pas encore le suivi des paires en CHF. Le CAD Yen. Alors, le CAD Yen, c'est plus un objectif atteint qu'autre chose, puisque les cours sont revenus sur ce support ici à 92,89. Faut-il envisager une stratégie d'achat sur le CAD Yen, étant donné que le pétrole semble avoir entamé une phase de reprise technique? Ça, c'est la question qu'on se pose. Alors, il faut bien savoir que certes, ça peut soutenir le dollar canadien sur le court terme, mais il ne faut pas oublier le fait que, au niveau des prix atteints par l'énergie, l'économie canadienne, de toute façon, elle va souffrir, et c'est pourquoi la Banque Centrale du Canada envisage d'autres baisses de taux d'intérêt. Alors, pourquoi pas sur le court terme, mais je pense tout de même que le dollar canadien ne sera pas une monnaie favorisée cette année. Maintenant, est-ce que le CAD Yen est sur un niveau de support? Ça, c'est une excellente question. On a éventuellement ce type de ligne de tendance haussière. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas envisager un CAD Yen capable de se reprendre, en effet. En plus, si là, la cotation daily devait s'arrêter maintenant, nous aurions une ligne pénétrante haussière en données journalières. Donc, dans l'absolu, ça me plaît. Moi, ça me plaît ce que fait le pétrole, ça me plaît le fait qu'on ait redépassé les MM 20 jours. Le fait que Total et Technip se soient bien comportés en janvier, ça me plaît aussi. Donc, il y a des choses qui me plaisent en faveur de tout ça. Maintenant, pour le moment, est-ce qu'en l'état, on a un signal vraiment bullish sur le CAD Yen? Pour le moment, non. C'est plus un rebond technique. On peut peut-être aller chercher des lignes de tendance qui se trouvent un peu au-dessus du niveau actuel des cours. Mais voilà, envisager un rebond du CAD Yen peut-être vers 94,29, mais bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on avait cassé ce niveau des 92,90 et qu'on semble réintégrer. Si jamais on le réintègre, là ça commencera à m'intéresser. Donc je commence à surveiller le CAD Yen pour éventuellement une stratégie de reprise technique. L'euro AUD ne fait pas partie des paires en AUD qui m'intéressent le plus, et pourtant. On voit bien derrière aussi l'euro AUD que le marché anticipe la nuit prochaine, pas forcément une baisse des taux, mais un communiqué de presse qui va comme d'habitude nous dire le taux de change du dollar australien est trop élevé. Ça, je peux déjà écrire le communiqué en partie. L'euro AUD, il a franchi les 1,44. En intraday, ça c'est un signal d'achat. Maintenant, enfin une espèce de petit drapeau. Une stratégie haussière sur l'euro AUD en l'état, ça ne me choque pas. Parce que j'ai l'impression qu'on fait un petit drapeau après avoir fait une jambe de hausse. Et est-ce que la nuit prochaine, ce marché peut aller à 1,48? Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas sur l'euro AUD. Mais pourquoi je suis plus prudent? Parce que je préfère le GBP AUD. Mais bon, l'euro AUD, pourquoi pas au-dessus des 1,44, même des 1,44,80, envisager une espèce de configuration en drapeau pour les 1,48. Ça va dépendre de toute façon de la décision de politique monétaire dont nous sommes de toute façon toutes et tous dépendants lorsqu'on appréhende comme ça les paires de devises. L'eurocad recule depuis une ligne de tendance baissière. Et lorsque je vois ce que fait l'eurocad, ça va aussi dans le sens sur le court terme d'un raffermissement du dollar canadien. Raffermissement du dollar canadien que vous devez rapprocher de la reprise technique des cours du pétrole et du bon comportement du secteur pétrole et gaz sur le marché action. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont liées d'un marché à l'autre. Mais en l'état, l'eurocad en termes de stratégie ne m'intéresse pas plus que ça.
L'euro GBP, peut-être que lui commençait à être intéressant pour une stratégie baissière sous la résistance des 0,7590. On y va tranquillement. Ici, vous aviez un canal de bêche sur l'euro GBP en données 4 heures. Hein, donc, c'est un canal qui date de 2013, mais j'ai compressé les cours, donc ça reste quand même des données 4 heures. J'ai l'impression que l'euro GBP fait un pullback sous 0,7590. Une stratégie de vente à 0,7590 me paraît sympathique sur l'euro GBP. L'euro yen, je ne vois pas grand chose à vous livrer dessus pour le moment. L'euro NZD non plus. L'euro Stoxx 50, c'est comme le DAX, on fait un flat au-dessus du support majeur des 3300 points. Le support à 3300 points m'intéresse pour une stratégie haussière sur l'euro Stoxx 50. Et le GBP AUD. Alors le GBP AUD aujourd'hui, c'est surtout du GBP plus que de l'AUD. C'est-à-dire que le GBP, il était un peu en souffrance ce matin, suite justement aux indices PMI de l'activité manufacturière en Grande-Bretagne. Bon, le GBP AUD en l'état, si je vais jusqu'au bout de ce que je racontais vendredi, c'est une phase de consolidation latérale et on tient une ligne de tendance haussière. Le GBP AUD, lorsqu'il a cassé les 1,9250, il a fait des nouveaux sommets de 6 ans. Ok, c'est pas mal. Bon, sauf que c'est sûr que ça vaut pas l'accélération haussière du GBP CAD. Et la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que le GBP AUD serait en train de faire une consolidation latérale avant de connaître une nouvelle impulsion haussière, comme il avait fait ici, entre le 26 janvier et le 28 janvier. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas ? C'est jamais sûr à 100%, mais il y a des éléments de money management. On teste cette ligne de tendance. Le vrai support, c'est 1,9185. 1,9185. Le marché a fait 1,9230. 1,9185, c'est vraiment le niveau moi qui m'intéresse. Disons que si nous devions avoir une nouvelle impulsion dans le sens de cette dynamique en place depuis le 21 janvier, cela viendrait davantage de l'AUD. Mais cette semaine, il y a justement deux banques centrales qui s'expriment. La Banque Réserve d'Australie et la Banque d'Angleterre. Et dans GBP AUD, vous avez GBP et AUD. Donc, le GBP AUD est peut-être une des paires qui va être soumise à le plus de volatilité cette semaine, tout simplement parce qu'elle est concernée par les deux décisions de politique monétaire. Je conserve une anticipation dans le sens de la tendance au-dessus du support des 1,9185. Et pour le moment, nous avons eu cette ligne de tendance en H4 qui réagit plutôt bien. Le GBP CAD, alors le GBP CAD, soyez tolérant envers une belle tendance haussière et laissez-la respirer. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que faut pas vous étonner ce qui se passe. Lorsqu'un marché gagne 1500 pips, il fait, tôt ou tard, on prend des bénéfices. Aujourd'hui, le dollar canadien se renforce sur fond de remontée technique des cours du pétrole et de manière générale du secteur pétrole et gaz. Mais c'est parfait. Vous avez ici un graphique en données 4 heures qui vous montre qu'en effet, ça consolide et que c'est pas fini. Le GBP CAD n'a pas fini de consolider. Ce que je vous invite à faire, c'est à laisser l'indicateur se dégonfler. Laisser l'indicateur se dégonfler. Et exploiter le support, je dirais, compris entre 1,8670 et 1,87 pour se placer dans le sens de la tendance. 1,8670, c'est le précédent sommet annuel. 1,8750, c'est ce niveau horizontal. Donc l'idée sur le GBP CAD, c'est déjà de le laisser consolider en ce début de semaine et absolument pas de chercher à se positionner maintenant, car vous seriez à contre-tendance de la tendance de court terme, et là c'est celle qui m'intéresse pour le moment. Par contre, au contact des 86,70, 87, là ça m'intéressera, et j'espère à ce moment-là avoir un indicateur survendu, voire divergent, et ce sera parfait. Donc je l'ai en tête, celle-ci, et je reviendrai dessus le cas échéant. Le GBP NZD, ça ressemble au GBP AUD, c'est-à-dire qu'on a fait un bon 1000 points de hausse depuis le 20 janvier. Mais voilà, c'est comme le GBP AUD, il y a probablement encore du potentiel. Que nous dit l'analyse technique ? Sur le GBP AUD, elle vous dit qu'il y a un niveau horizontal fort à 1,9185. Et sur le GBP NZD, elle vous dit qu'il y a un support à 2,0540. Mais avant cela,
au moment où je vous parle, le GBPNZD est en train maintenant là, de tester une ligne de tendance haussière. Alors, voilà, c'est une ligne de tendance intermédiaire. Moi, j'ai quand même le sentiment que cette paire de devises sera en mesure de rejoindre les 2,10, et puis, bah, pourquoi pas mieux cette année. Pour le moment, le signal n'est pas donné. Et ce que je vous invite à exploiter, ce serait un test des 2,0540 dans le sens de la tendance. Je continue le tour d'horizon de mes graphiques H4. Le GBP/USD, c'est un brouillon H4, donc j'y vois pas grand-chose. Le MIB, c'est comme l'Eurostox 50, le CAC. Le MIB, c'est propre. On a fait un double bottom sur 17 725, ligne de coup à 20 193. On fait un espèce de range au-dessus des 20 193 et on attend la MM20. Donc, j'attends la MM20 avant ce que j'espère être une prochaine impulsion. Le Nasdaq 100, c'était le seul indice US qui m'intéressait au-dessus des 4080, impulsion flat. Alors, on s'est approché des 4080 la semaine dernière. Bon, voilà, dès lors que le marché teste ces 4080, ça m'intéresse, mais là, il n'y a pas grand-chose à vous dire dessus. Alors, attendez, j'ai oublié la UDUSD, c'est quand même important. Alors, déjà, l'indice PMI de Markit pour les États-Unis dans l'activité manufacturière est tombé. Alors regardez, vous êtes ici sur le site de Markit Economics et vous avez en temps réel Markit US Manufacturing PMI. J'ouvre le document et je découvre comme vous les chiffres. Donc voici les chiffres qui sont tombés. Donc bon, on voit qu'il y a un léger ça fait un léger recul, hein, c'est pas non plus c'est la lecture finale, c'est la lecture finale du mois de janvier. Hein. Donc voilà, vous avez ce rapport donc sur le site Markit Economics, si ça vous intéresse. Le dollar US recule légèrement, et ce qui permet à l'AUD/USD de rebondir. Pour ce soir, avec la Banque Réserve d'Australie, je vous invite à surveiller la résistance à 0,7850. 0,7850, 0,7880 pour, et je pense que vous avez la réponse, c'est-à-dire que c'est une résistance. Alors attendez un instant parce que mes graphiques sont en train de bugger. Alors ça va s'actualiser, un instant s'il vous plaît, j'en profite pour jeter un œil à vos commentaires. Alors, donc Pennyboy, le morning meeting, donc non, il n'a pas été enregistré ce matin, vous inquiétez pas. Alors bonjour Cassia, les actions ça arrive, j'ai fixé M. Bonjour Crani, alors un instant, hein, c'est mes graphes qui plantent. Alors Crani nous propose une vue de marché sur les cours de l'argent. Alors en attendant que ma plateforme revienne, voici ce que nous propose notre cher participant Crani. Donc un décompte Elliottiste sur les cours de... Non, c'est l'or ça. Oui, sur les cours de l'or, autant pour moi. Considérant que... Alors, je sais pas... alors, en l'état, ça dépend où déjà tu ferais démarrer ta vague 1. En l'état, il y a le... Pour que ton décompte soit valide, je dirais que déjà, il faudrait en effet ne jamais enfoncer 1235. Pour l'instant, ça tient. Pourquoi pas? Ce qui est plaisant, c'est qu'on a en effet une grande 3, qu'on a une 2 en 3 temps, et que nous serions dans une 4, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, ça se justifie, en effet, ça peut paraître crédible. Et donc justement, je vais en parler des... Ah voilà, ça y est, ma plateforme remarche. Donc, ce soir, 0,7870 me paraît être une bonne résistance sur la UDUSD à surveiller. Ça peut être pas mal, tout comme le support à 1,4440 sur l'euro AUD, ou les 1,92 là sur le GBP AUD. Bref, bon, ça, ce sont des stratégies qui me plaisent. Et vous avez noté que ce sont des stratégies en faveur d'une dépréciation du taux de change du dollar australien. Et je serais prêt à mettre ma main à couper que ce soir, eh bien, la Banque d'Australie va évoquer le taux de change. Alors, si elle ne le fait pas, elle ne le fait pas. D'ailleurs,
je me suis rendu tout à l'heure par curiosité sur le site de la Banque Réserve, la Réserve Banque d'Australie. Et j'ai eu la surprise de trouver aujourd'hui un rapport en date du 2 février. L'indice des prix des matières premières selon la RBA. C'est important pour ces banques centrales, le prix des matières premières. Regardez, la Banque Centrale du Canada, elle accorde beaucoup d'importance au prix de l'énergie. Et donc cet indice, l'indice du prix des matières premières de la Réserve Banque d'Australie, bon, je vous laisse découvrir le chart, autant vous dire, c'est baissier. Donc ça peut faire partie des éléments que certainement l'institution monétaire va évoquer ce soir. Et en tout cas, on voit que le marché a tendance à se positionner en faveur d'une baisse du dollar australien. Attention tout de même, les banques centrales réservent tout le temps des surprises. Je n'ai absolument pas la moindre idée. J'ai pas de rapport. J'ai pas vu le communiqué. J'ai pas vu avant vous quoi. Pour l'instant, l'analyse technique vous donne plutôt ce type de message quoi. Alors. Alors bonjour Pitoun, question collective, est-ce que les résultats pétroliers peuvent être impactés par la chute du pétrole? Ben, moi j'ai découvert comme vous les résultats des entreprises des secteurs pétroliers, hein. J'en ai regardé 2-3 et j'ai vu que ça commençait à sérieusement restructurer. Vous avez en France Vallourec qui a enregistré 1 milliard d'euros de provisions, vous avez des compagnies pétrolières qui réduisent la masse salariale, donc on a déjà une industrie qui se restructure en prévision d'un prix du pétrole qui va rester durablement bas. Donc voilà, elles sont réactives, elles se restructurent. Elles se restructurent et puis pourquoi se restructurer? Bah, c'est pour préserver les marges. Donc, et ça, seuls les prochains mois nous diront si ces restructurations sont suffisantes ou pas. Donc pour l'instant, on n'a pas assez de recul. Alors maintenant, les métaux précieux, le Bund, je passe rapidement dessus. Simplement pour mettre en avant le fait que nos objectifs sont atteints un par un. On visait 160, le marché est monté à 159,50. Le rendement du trésor allemand à 10 ans est à 0,30. Le rendement du trésor japonais à 10 ans est à 0,28. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, un scénario à la japonaise pour la zone euro faisait sourire. Bah, nous y sommes. Nous sommes en plein dedans. Puisqu'à peu de choses près, le rendement allemand et le rendement japonais, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les politiques monétaires qui sont menées sont de même nature. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Donc le Bund, tendance haussière, 160. Je ne serais pas surpris que ça continue et qu'on aille encore beaucoup plus haut lors des prochaines semaines. Les métaux précieux. Alors, les métaux précieux, je pense que on peut toujours y croire. L'once d'or, il a fait selon moi un pullback sur 1255. Il a fait un pullback sur ce niveau de prix. Donc, c'est pas évident, mais tant qu'on tient 1255, et pour en revenir tout à l'heure au décompte Eliotis que nous a proposé Crani, nous pouvons avoir la possibilité d'être dans une vague 4. Et dans ces cas-là, au-dessus de 1255 $, envisager une vague 5. Le signal n'est pas donné. De toute façon, il faut franchir 1307 $. Le jour où l'once d'or parvient à franchir 1307, là, on va vraiment rentrer dans une nouvelle phase d'hausse. Mais pour l'instant, on est rentré dans une compression entre 1255 et cette ligne de tendance. Alors, à l'intérieur, c'est neutre, mais je surveille vraiment cette compression pour voir ce que nous pouvons donc en attendre. Alors, et le GBP/USD, j'ai déjà évoqué, donc et donc il ne m'évoque pas grand-chose. Voilà. Alors, je vais quand même attendre l'indice PMI de l'activité manufacturière aux États-Unis selon l'ISM, parce que celui de Markit a déjà été publié. Selon l'ISM, il tombe à 16h. Pour le moment, nous avons des indicateurs PMI qui ne permettent pas au dollar américain de franchir ses sommets de l'année 2009. Donc, pour le moment, non. Mais sauf que celui de l'ISM est quand même plus suivi que celui de Markit. Alors, on va voir. Hein. On va voir ce que cela donne. Mais en l'état,
le GBP USD. J'ai ici un graphique en données 4 heures. Il y a un espèce de pivot à 1,50-50, mais qu'on malmène dans tous les sens. C'est pas très limpide sur le plan de l'analyse technique, quoi. Et l'USD Yen, j'ai oublié l'USD Yen. Alors, pour l'USD Yen, moi l'USD Yen il me plaît. Hein. Vous savez, ça fait deux semaines que j'écris en disant qu'on fait un range au-dessus des 116 et que tôt ou tard on en sortira par le haut. Bon. Est-ce que ça viendra de l'USD ou du JPY? Il y a des rotations, c'est-à-dire qu'en 2013 ça venait du JPY, l'année dernière c'était surtout de l'USD. Pour l'instant c'est un range. On a eu un trou d'air ce matin sur 116,90, c'est reparti. Là je dirais qu'on est un peu au plein milieu du range, donc c'est pas hyper limpide là. Donc là j'ai pas une vue de marché hyper claire. USD CAD, il fait un pullback lui aussi parce que le dollar canadien se renforce et que l'USD consolide un peu. Je pense que l'USD CAD, il y a une double ligne de tendance qui m'intéresse et je pense que le niveau des 1,25 pourrait être un bon support pour se replacer. On verra bien. J'attends de voir un peu comment ça se passe, mais bon. Il faudrait regarder peut-être des graphiques un peu plus longs, mais. Oui, 1,25. Je pense que 1,25 sera probablement un bon niveau, donc à suivre. Là, le marché va retomber dessus, donc ce serait ce point de contact. Donc, je vais patienter, et puis lorsque le marché reviendra dessus, je vous proposerai à nouveau un point. Alors, l'indice PMI de l'activité manufacturière aux États-Unis selon l'ISM va être publié. J'attends le chiffre et on regarde. Alors, il y a une question de Pitoun, comment savoir quand est-ce qu'une ETE est validée ou invalidée? Alors, ça c'est une question intéressante, tout est lié à la ligne de coût en fait. De manière générale, vous avez sur notre chaîne YouTube des vidéos qui évoquent les validations de structures chartistes. Donc on aura l'occasion d'en parler. Alors je pense qu'il ne doit pas être exceptionnel, le PMI hein, de l'ISM. Il ne doit pas être super bon, hein, parce que je vois que le dollar US, voilà, il est plutôt moyen. Donc le dollar US, bon, voilà, il est... Bon, il n'y a pas une vol excessive non plus. Donc faut surveiller les 1,1375 sur l'eurodoll, parce que c'est vrai que si on les franchit à la hausse, ça pourrait, on pourrait aller chercher plus haut. Mais pour l'instant, on est à l'intérieur. Pour l'instant, on est à l'intérieur. Donc, il y a eu un petit gap weekly. Et entre combien et combien? Bah surtout, ouais, il y avait un gap baissier. Statistique à faire aux attentes, on comble pas le gap. Et surtout, bon, non, c'est sûr que sur le court terme, le dollar est sous pression là. Donc, ça peut être pas mal pour l'eurodollar s'il arrivait à franchir les 1,1375. Mais bon, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Voilà. En tout cas, ça permet à la UDUSD de rebondir. Et il y a une résistance ici à 0,7870 qui m'intéresserait ce soir, mais plus pour jouer entre guillemets la UD. Ce serait plus pour la UD. Bon, quant à l'USD Yen, ce qui m'intéresse, c'est un test des 116. Donc là, on est en plein milieu de nulle part. L'USD Yen, voilà, gros triangle, on est en plein milieu. Dans cette zone-là, éventuellement, je m'y intéresserai. Voilà, bah écoutez, je vous remercie donc d'avoir participé à ce webinaire. Vous avez à 18h un webinaire sur les opportunités de long terme. Et puis, donc, en ce qui me concerne, bah, je vous retrouve demain à 15h15. Et demain soir à 18h pour un séminaire sur le bilan du mois de janvier. Vous allez voir, il y a des choses surprenantes qui se sont passées au mois de janvier. On va essayer de comprendre pourquoi, lorsqu'on prend un peu de recul avec les performances mensuelles. Voilà, merci à toutes et à tous, et à demain.